siiste crucete, mai viste de season game, and we will try to do our best for to win the game. The only result we have possibility is to win, only one result, and to replace these three players. We have always, it's my philosophy, we have players enough for to replace and to play. And sometimes, yes, we have key players in the team, but the player who are in the bunch or the rest of the players, they have capacity to doing well, how we show in every game. Inshallah, we have a good result, and I hope the team can play in their best, and we can make happy the city, the supporters, and all the SUS people. Je ne sais pas comment vous faites votre analyse, mais mon opinion, c'est le contraire, c'est le plus difficile, parce que quand tu joues avec une équipe qui n'a rien à perdre, il n'a aucune pression, hein? Il joue pour la pression, il joue pour le plaisir, je dis, pour le game. Et nous, on est obligés à gagner. Nous, on a un seul résultat, que c'est possible, c'est la victoire. Et ça, c'est, parfois, se joue à favor et parfois, se joue en contre. Parce que tu peux être crispé, tu peux être pressé. Pourtant, c'est difficile. Et il ne faut pas oublier que Berkane, il vient de subir une défaite historique aussi. Et c'est pour ça que je ne crois pas qu'il va être un match facile. Les joueurs, il doit rendre des comptes, c'est son porté, c'est l'orgueil, ça va être pour moi tous les contraires. Un match très difficile, très important, et j'espère qu'on sera le suffisamment intelligent pour savoir gérer cette rencontre. C'est clair que nous sommes obligés à marquer des buts, d'attaquer, d'essayer de gagner les buts, les matchs, mais pas n'importe quoi. Nous, on sera fidèles toujours à notre style de jeu. On a une philosophie qu'on ne va pas changer, même si parfois les résultats ne sont pas tous les bons qu'on attend. Mais il faut continuer dans cette chemin qu'on a commencé l'année passée. Et j'ai confiance dans les joueurs, j'ai confiance dans les groupes. J'espère que les supporters de Hassania et de Radir vont soutenir l'équipe, soit que ce soit le résultat. Parce que d'abord, c'était déjà une première fois historique pour Hassania. C'est ça que je deviens mes joueurs aujourd'hui. Il faut savoir ça, il ne faut pas trop se charger de pression. Il faut savoir que toujours il a un seul qui gagne. La réussite, c'est trop petite et il a beaucoup d'équipes qui ne réussissent pas. Mais nous, on a confiance, on a l'esprit. On a montré dans tous les matchs, même dans la Rotterdam, que on joue jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière ballon. Et aussi, j'espère que l'arbitrage, ça sera à l'auteur. Parce que si nous, on est dans cette position, c'est la première fois par notre erreur. Première fois. Parce qu'on a raté des buts, on a raté des situations. Mais aussi, je ne peux pas m'oublier les pénalties contre Raja ici, les pénalties contre Raja à Rabat. Et les matchs qu'on a joué contre Berkane là-bas. Si l'arbitrage était correct, on serait en autre position maintenant. Mais d'abord, je vais remarquer, d'abord, j'assume les erreurs de Hassania. Mais je sens qu'on était laissé tomber pour décision arbitrale qui sont des erreurs qui arrivent dans le football. Hassania toujours il a une politique de pas se plaindre, c'est la philosophie des clubs. Moi, je suis un employé du club, je dois respecter. Et aussi, j'essaie de ne pas trop m'étaler sur l'arbitrage parce que ça peut coûter comme qu'on cherche des excuses. Je ne cherche pas des excuses, mais il est en réalité. Si je fais une vidéo de toutes les fautes d'arbitrage de Hassania, les matchs de Fuse, les matchs de Tanger, les matchs de Guida, on sera dans notre position dans le tableau. Je ne sais pas pourquoi Hassania il est puni. Cette année, je crois qu'on est victime d'un arbitrage que moi, je crois qu'il n'a pas la mauvaise foi, mais ça arrive. Et toujours contre Hassania. Mais bon, malgré tout ça, il faut être fort.
faut être professionnel, faut être en force de caractère et en esprit pour essayer de remonter toutes les adversités. Et je répète, j'espère que l'équipe demain sera à l'auteur, qu'on peut faire un grand match, gagner, et même il faut attendre l'autre résultat. Parce que quand je parle des erreurs aussi, j'assume les erreurs qu'on a commis, par exemple, contre l'équipe congolaise ici, qu'on s'est relâché dans les dernières minutes, on a encaissé un but, et ça, ce but il peut nous coûter la qualification aussi. Et ça, c'est pas une erreur de l'arbitre, c'est une erreur de nous.